Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce mardi 12 juillet 2022. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et puis si vous passez sur ma chaîne, je suis ravie d'être avec vous. Donc on va commencer ici avec un tableau de 9 cartes du petit, le Normand. Et puis on aura d'autres guidances par la suite. N'oubliez pas qu'à la fin de ce tirage, on va voir les petits messages pour les signes astrologiques en termes de conseils. Vous avez beaucoup aimé ça hier, je vous en remercie. Alors, les énergies, le tirage du mardi 12 juillet 2022. Waouh, ça avance vite. Alors, nous avons la tour. C'est peut-être un lapsus. J'allais dire nous avons l'amour, mais je voulais dire nous avons la tour. Alors, on a l'ancre, on a l'homme, nous avons la clé. On va retrouver également la faux. On va voir les poissons. L'anneau. La maison. Et le vaisseau. Alors, en dos de deck, nous avons l'enfant qui nous parle d'un projet, qu'il soit immobilier, familial ou par rapport à un travail indépendant. Il y a des choses qui bougent également par rapport à une relation, on va le voir ici. Il peut y avoir du très positif et on a aussi cette notion de partage de biens et de divorce, mais ça c'est quelque chose qui est déjà acté et on verra qu'il y a quelque chose d'assuré par rapport à la gestion du patrimoine. Pour ceux qui se séparent, il va de soi que c'est la logique des choses. Donc l'enfant, c'est aussi un nouveau cap, un nouveau cycle. Il peut y avoir le médecin également par rapport à un enfant, mais il n'y a rien de gravissime. Bon, voilà, c'est bon. En termes de santé, j'ai rien qui ressort ici. À la rigueur, on regardera après. Mais ça peut me parler d'un médecin. Ça peut être pour vous, tout comme un enfant. Alors, on est dans cette nouvel élan, dans ce nouveau cycle ici. Et la tour nous parle bien sûr d'organisme, de bâtiment et cette possibilité de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc on a en dessous de cette ligne, eh bien, la clé qui nous dit qu'il y a des solutions de trouver par rapport à cet organisme, à ces dossiers administratifs, à ces documents, mais également par rapport à des contrats et des signatures. On a aussi l'anneau qui va représenter eh bien, le côté relationnel, sentimental, où on verra des solutions de trouver dans un premier lieu. Donc, cette première ligne-là, on peut vraiment l'adapter et l'adopter comme quelque chose de positif, de réussi. Sur le plan administratif, on voit qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé, qui est acté. Ça concerne une famille, une maison, le côté financier, une transaction que l'on retrouve ici et on va aller vers le vaisseau qui va avancer doucement mais qui avance sûrement. Le vaisseau c'est aussi une forme de lâcher prise, voilà, ça peut nous parler aussi d'inconscient si on parle de thérapie, mais j'y reviendrai. Alors dans les liens on a quand même l'ancre et l'anneau. Alors je vais pas dire que tout le monde va divorcer, il y a des divorces dans l'air. Maintenant il se peut que vous vous éloigniez d'une personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être une amitié, une connaissance, peu importe. On a l'idée d'un éloignement qui est présent, qui est voulu de votre part pour pouvoir vous stabiliser. Donc là, on avance un côté un petit peu plus émotionnel. La faux étant au centre du jeu, c'est une carte très importante. Pour couper, pour vous éloigner, pour trancher, pour décider, on vous invite à prendre de la distance, de la hauteur, et cette mise en retrait va vous permettre vraiment de lâcher prise. Donc il y a une forme d'intelligence ici, c'est vous qui tenez les rênes de votre vie, vous ne subissez pas quelque chose, vous en êtes l'auteur, l'acteur, c'est vous qui décidez de prendre de la distance. Voilà pourquoi je ne le sens pas d'une manière négative. Bon, après, s'il y a un divorce, voilà, les gens sont déjà au courant, j'apprends rien. Alors, ensuite, on va avoir cette partie-là qui me fait penser à reprendre les rênes de votre vie parce que il y a de l'action avec la carte de l'homme, à moins qu'il s'agisse d'une situation en rapport avec un homme. Nous avons ce poisson qui nous parle vraiment de profondeur, d'abondance, mais
avec les vaisseaux, il y a cette notion de distance. Donc ça peut être un collègue, une collègue, un ami, un amoureux, un amant, peu importe. Vous décidez de prendre de la distance. Vous, pourquoi cet éloignement ? Ben parce que vous en avez besoin pour vous sentir plus léger. Voilà ce qu'il ressort sur un plan énergétique. On a beaucoup de choses à dire. Le petit Lenormand est juste magique. Je ne l'ai pas précisé, mais il m'en reste que 6 des petits Lenormand. 6 avec la version, vous voyez, brillante comme ça. Après, j'enlève la version brillante. Désolée de cette petite aparté, j'oublie parfois de dire les choses, j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors ensuite, moi ça me parle de thérapie ici, et là il y a quelque chose de très positif, c'est guérir d'une blessure, aller travailler sur un schéma. Vous allez être capable, pour ceux qui travaillent sur eux-mêmes, sur leur développement personnel ou par le biais de la thérapie, de pouvoir couper des chaînes et transformer des liens. Voilà pourquoi la clé est très importante dans ce jeu, parce qu'elle vous amène vraiment cette notion de solution qui vous permet, vous, de rester engagé par rapport à vous-même dans le but de regagner une stabilité. Autre lecture en parallèle intuitive et très facile et fluide, ben on a des travaux pour une maison, une transaction, on a un départ, quelqu'un qui peut partir de la maison s'il y a cet éloignement, si ça parle à certaines personnes, et on a quelque chose qui peut être décidé ici administrativement par rapport à une maison. Ça peut être un engagement, des futurs travaux, une prise de décision, une possible vente, un possible achat. Quelque chose qui ressort de ce style-là. Donc voici ce que le petit Lenormand nous disait. Je vais faire une petite parenthèse sur la santé. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer. Alors, que peux-tu me dire sur la santé pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le 12 ? L'encre qui ressort. L'encre, c'est le bas du dos, j'en ai parlé, je ne sais plus quand, mais j'en ai parlé. Ok. Ça peut être quelque chose qui est profond aussi, ça peut être une agrafe. Il y a des personnes qui peuvent se mettre ou se faire enlever des agrafes suite à une opération. C'est quelque chose qui aussi, en plus du bas du dos, des hanches, parce que ça fait référence aux hanches dans le petit Lenormand, ça va nous parler de quelque chose qui est assez profond. Bon, alors du coup, sur le terme thérapeutique, on va parler de santé, de thérapie, de toutes les personnes qui travaillent en eux, pour eux, et toutes les parties d'eux-mêmes, pour dépatouiller voilà, des blessures, des choses comme ça. Bon, voilà, ça peut me parler aussi d'agrafe. Hein. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les énergies, la guidance. Oula, j'ai flippé parce que j'ai tourné ma tête. Non, mais c'est la caméra qui fait ça. Vous le verrez pas parce que je fais un carré, mais il y a une espèce d'ombre là sur le côté, comme si il y a une personne qui passait. J'habite quand même sur un ancien hôpital, donc je vous assure que parfois il se passe des choses, des anecdotes, je pourrais vous en raconter. Parce que c'est quand même décuplé ici, j'ai l'impression. Allez, on regarde la guidance du jour avec le petit Lenormand, non, le tarot, pardon. Alors, les 8, on a l'ermite, super. On va avoir également, waouh, contrat, signature. Ah, il y a des contrats dans l'air, hein, c'est vrai ça. On va avoir le chevalier d'épée, ça cogite beaucoup. Alors, sur l'amour, le 7 de coupe. Sur le financier, le chevalier de coupe. Sur le professionnel, pour tous ceux qui travaillent et qui ne sont pas en vacances, le roi de bâton. Et le conseil ici va être l'étoile, vous faire confiance. Alors, on va vous dire que la tendance, c'est le 8 d'épée, c'est cette notion de travailler sur ce qui, peut-être sur vos peurs, vos croyances limitantes, sur ce qui vous entrave. Voilà, il faut ôter le voile de la confusion. Pour moi, vous en avez
envie d'ôter ce voile de la confusion. Vous vous mettez en retrait, vous prenez la réflexion, vous vous isolez avec l'ermite, c'est bien. Peut-être qu'il y a une forme de protection derrière tout ça, d'une certaine manière. Et puis l'ermite aussi, il va s'éloigner de tout ce qui est négatif, peut-être comme un trop-plein. Il a envie de se retrouver seul, tranquille, avec lui-même. Cette énergie, elle va vous pousser à être engagé avec vous-même dans le but de mettre vos idées au clair. Donc là, j'entame un plan énergétique. Pour pouvoir retrouver de l'ordre ici par rapport à ce qui est dans l'illusion et retrouver une certaine dynamique et surtout une certaine confiance. Dans ce jeu, dans cette guidance, on retrouve aussi des officialisations, des documents importants, des contrats, des signatures. On l'a vu, il y avait la petite clé, la transaction, la maison. Bon voilà, après, chacun le vit à sa manière, mais je crois qu'elle a été retombée à la même position hier, je ne suis pas sûre. Donc le chevalier d'épée, il va vous permettre, vous, à l'intérieur, d'organiser toute cette gestion, tout ce mouvement dans votre vie par rapport à ce qui commence. C'est un nouveau cycle, on avait l'enfant et là on a l'as de deniers. Donc il y a vraiment cette notion de nouveau cycle qui vous demande d'avoir des idées au clair. Quoi que vous viviez, que ce soit sentimental, relationnel, et on a surtout le conseil du tarot, c'est vous faire confiance, y voir plus clair, retrouver une certaine vibration dont vous avez besoin. Pour ceux qui s'oublient ou qui oublient de rêver, osez rêver simplement. Sur le plan sentimental, pour les célibataires, ça peut être un choix possible, multiple. Là, se dire, bon, je peux aller faire ça, 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 ou m'orienter vers telle ou telle ou telle personne. Pour le côté des couples, il peut y avoir quand même une remise en question. Ou, sur le côté positif, dans les couples, c'est l'idée d'avoir un champ des possibles qui est multiple. Dans le sens, si vous avez un projet en commun, et voilà, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut acheter telle cuisine. Voilà, je prends l'exemple, mais on peut... je parle pas que d'immobilier, ou ça peut être autre chose, des projets en commun avec plusieurs possibilités. Donc cette carte, elle n'est pas que négative. Pour ceux qui ont un amant, une amante ou je n'ai pas une chère personne dans leur tête, je pense qu'il y a quand même un éloignement au vu de ce qu'on a vu avec le petit Lenormand et puis l'ermite, le 8 d'épée. Est-ce que c'est partie remise? Je pense. Pour certains d'entre vous, ça va casser pour toujours parce qu'il y a des gens qui voilà, cheminent autrement que d'autres et puis il y a des stades différents. Je ne sais pas pourquoi je pense aux flammes jumelles alors que ce n'est pas du tout mon délire. Mais les flammes jumelles, c'est on se parle, on ne se parle plus, on se parle, on ne se parle plus. Jusqu'au jour où bah, y a vraiment une cassure. Mais ce n'est pas une cassure dans le sens où on ne se parlera plus jamais. C'est une cassure où bah, y a peut-être un idéal ou une compréhension vraiment qui s'est arrêtée. Et à partir de là, les choses sont vraiment différentes, comme une libération, croyez-moi. Alors, on va avoir ici, donc sur le plan relationnel et sentimental, peut-être des remises en question qui nécessitent ici, justement, ben, de se mettre en retrait et d'avoir lumière à vos questions. Sur le plan financier, ici, le chevalier de coupe, c'est... Alors, c'est une carte de séduction, soit il est question de faire des achats en rapport avec la beauté, la séduction, se faire plaisir, vibrer. C'est tout à fait possible. Bah, c'est une carte aussi qui va nous parler de mouvement, de détermination, d'avoir envie de quelque chose. Bien sûr, on a tous envie de s'acheter certaines choses. Parfois, on va tout mettre en œuvre pour cela, que ce soit immobilier, que ce soit autre chose. Mais il y a cette notion de fougue qui retombe sur le domaine financier. L'envie de se faire plaisir et tout faire pour arriver à la bonne destination. Sur le domaine professionnel, on a le roi de bâton, confiance, aisance, assise. Nous avons une belle énergie ici de stabilité et puis de charisme. Ça peut être dans ce que vous représentez dans le travail. Ça peut être aussi de vous-même par rapport à vous-même sur cette notion de confiance. Alors, on va un petit peu approfondir ici. Je vais prendre le petit Lenormand. Pour le domaine sentimental, pourquoi on a ce 7 de coupe? Alors, il y a une transformation ici. Il y a eu peut-être la fin de quelque chose pour d'autres. On a cette notion de vigilance, de prudence par rapport à un monsieur ou si c'est vous qui êtes ce monsieur. Ça me parle d'observation. Vraiment, si je mets un mot sur le côté sentimental, c'est bien pour vous en couple
ou célibataire, ça me parle d'observation. Il y a eu un changement intérieur qui fait que vous êtes plus attentif, vous êtes plus attentif, vous êtes plus à l'affût. Et puis le renard, il peut aussi nous parler de charme, et de charme charmant, charmante. Et puis c'est aussi l'idée des célibataires qui sortent un petit peu de leur coquille. Est-ce que c'est l'été ou est-ce que c'est un état d'esprit? Il y a peut-être l'envie de plaire. Voilà. Je dirais que pour les couples, vigilance, méfiance, on peut parler aussi de mettre fin à une tierce personne. J'en ai parlé tout à l'heure, alors je ne sais plus comment, mais ceux qui ont une tierce personne dans leur tête, pour cette journée du mardi, j'ai pas dit que c'était pour toujours, mettre cette personne de côté parce que vous avez besoin de retrouver une stabilité. Allez, on va passer au petit message et je vous invite à rester, à regarder votre signe solaire et votre ascendant qui va également vous dire comment vous exprimez l'ascendant, c'est comment s'exprime. Le solaire, c'est notre identité et puis l'ascendant, c'est comment on s'exprime. Le lunaire, c'est comment on émotionne. Il y a plein. Après, on ne peut pas tout regarder parce que sinon, moi, vous pouvez tout regarder, je m'en fiche. Mais regardez au moins votre solaire et votre ascendant. Alors, on va commencer ici. Non, je ne les ai pas remis dans l'ordre. Eh bien, on recommence par le début, les béliers. Le conseil. Le conseil pour cette journée du mardi. Alors, on va avoir les béliers, le bonheur. Alors, ici, c'est l'idée de gratitude, c'est de peaufiner votre sécurité émotionnelle, c'est d'être bien avec vous-même, les béliers, c'est de partager des moments de bonheur avec des gens qui vous entourent ou la famille ici. Et puis, on a la numérologie du 13, alors 13, ça nous donne 4. 4, c'est la famille, c'est la stabilité, c'est la structure. Voilà, est-ce que ce conseil vous parle, les béliers? On va avoir les taureaux. Alors celle-ci, la lune. S'il y a quelque chose du passé qui revient, osez affronter. Les taureaux, on vous demande également de ne pas être en déni de ce que vous ressentez, c'est important. Et de savoir passer de l'ombre à la lumière, mais je dirais plus, bim, avec vous-même. Ne pas être dans le déni, c'est vraiment ce que je ressens ici en termes de petits conseils. Les gémeaux. Alors, bien sûr, pour les taureaux, on a eu aussi cette notion d'intuition. Ah bah alors les Gémeaux, bah voilà, cultiver le bonheur, la famille. Sachez vraiment structurer les choses sur la sphère du foyer, c'est important. Vous êtes vraiment dans une énergie ici où vous allez devoir accueillir davantage et peut-être arrêter de vous en faire. Alors, du coup, j'ai pas le même message que l'autre signe qui avait eu la même carte, mais ne pas faire une montagne d'un petit caillou, arrêtez de vous en faire, amis Gémeaux. Alors, les cancers. Ben, voilà, l'ermite qui était tombé en premier. Alors, les cancers, qui cherchent, trouvent en termes de lumière, en termes de paix intérieure. L'ermite, il s'isole, il se protège, il se préserve, il se met en retrait quand c'est nécessaire parce que vous en avez besoin. Ça va vous permettre ici de vous reconnecter, de vous réconcilier avec vous-même. Ça va vous permettre également peut-être de se réconcilier avec une personne. Voilà, il y a le conseil de prendre le temps de vous isoler et de mettre en lumière quelque chose. Pourquoi? Parce que l'ermite, il est plein de sagesse et d'expérience. Ne vous précipitez pas. Alors, les lions, on a aussi une ermite. Les lions, qu'est-ce qui se passe? Là, pour le coup, j'ai pas du tout le même message que les cancers. Non, c'est les lions, c'est bon, sortez. Ouvrez votre porte, aérez-vous. Alors, c'est une métaphore pour dire que s'il y a une situation qui vous bloquait, arrêtez de ressasser, il est temps maintenant de passer à autre chose. On a l'énergie du neuf, c'est un bilan. C'est cette notion que ben, maintenant, il faut avancer simplement. Voilà, on vous invite à sortir et arrêter de ruminer. Alors, les vierges, le conseil d'aujourd'hui pour le tirage du jour, c'est l'étoile. On vous demande d'y croire encore.
à vous, à cette situation, à cette personne, que tout est cyclique avec l'étoile et avec l'énergie 17, donc 8, que les choses qui doivent être justes le seront. C'est parfois une question de timing de l'univers. Voilà le message que je reçois pour vous, amis vierges. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle. Vos retours sont importants. Alors, les balances. On va avoir la justice, rendez la justice, faites-vous justice, regagnez un équilibre entre vous, une personne, vous, une situation. Soyez juste et soyez équitable. Il est temps de remettre les choses en ordre, amis balance. Alors, les scorpions, allez, super, fidélité, soyez authentique. Référez-vous à ce que vous avez vécu dans le passé qui vous a ramené à ce sentiment d'honnêteté avec vous-même, de fidélité et de respect, que ce soit avec vous une situation. Il va être question de mettre cela à l'ordre du jour parce que c'est important pour transiter, pour avancer les scorpions. Vous avez les sagittaires. Bon, ça fait 2-3 jours que je rigole avec vous, hein. Je vous ai dit, arrêtez d'aller plus vite que la musique. Mais il y a quelque chose de plus doux qui revient, donc c'est tant mieux. Les sagittaires, les amis. Alors, bizarrement, ça me parle de ne pas être égoïste. Peut-être que vous vivez quelque chose de mieux, de bien, que vous êtes dans votre énergie avec vous-même. On vous dit de ne pas oublier les gens qui vous entourent, de ne pas oublier les personnes qui ont pu vous aider, vous rassurer, vous écouter, vous épauler. Il y a ici une demande d'ouverture de vous par rapport au monde extérieur. Ne soyez pas fermés les sagittaires. Les capricornes. Alors, soyez cool. Soyez léger, soyez vraiment dans l'amusement, pas de prise de tête pour cette journée, n'essayez pas à cogiter, à comprendre, laissez faire, laissez passer. Voilà, pour moi le message est clair. Je ne sais pas ce qui se passe, et, alors quand je vous ressens, bon, je sens un point au milieu de la tête, parfois comme si vous faisiez un nœud, une montagne d'un petit quelque chose, laissez passer, laissez passer. Alors, les Verseaux, eh ben voilà, les Verseaux abondance. Bon, il y a une autre qui est tombée. Bon, les Verseaux, pensez abondance, rêvez abondance. Alors celle-là, du coup, c'est avant. Ça peut nous parler d'une somme d'argent, mais non, pour moi, le message est clair, ne donnez pas trop ici. Le conseil, c'est de se structurer, se respecter. Vous êtes généreux, ça, c'est les Verseaux. Il y a beaucoup d'autres signes qui sont généreux, mais voilà, remettez les choses en ordre, en règle. C'est bien hein, de donner à tout va, mais en même temps, alors on peut donner du temps, de la présence, de l'écoute, mais en même temps, ben, voilà, soyez plus juste, soyez plus équilibré par rapport à cela. Amis Verseau. Alors, les poissons. Et on a ici le bonheur. Le bonheur, être dans la générosité, accueillir, être dans la gratitude, soyez vraiment face à ce qui est positif et en jouissez pleinement. Amis poissons, voici le conseil pour cette journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.